Travail et énergie cinétique. L'énergie cinétique d'un solide en translation. 1.1. Notion d'énergie cinétique. Activité 1. Observe la photo et réponds aux questions. Question 1. La voiture est déformée. Que faut-il faire pour déformer un objet? Pour déformer un objet, on applique une force. Question 2. Qui a appliqué la force? C'est le camion qui a exercé cette force. Lorsqu'on applique une force, que transmet-on? Lorsqu'on applique une force, on transmet de l'énergie par le travail. Question 4. Quelle est l'origine de l'énergie transmise? C'est le camion qui a transmis cette énergie. Donc c'est lui qui a exercé la force, donc il a transmis de l'énergie par le travail. Question 5. Quels sont les facteurs qui ont aggravé la situation? Les deux facteurs sont la masse et la vitesse. Question 6. Déduis une relation entre ces facteurs et l'énergie transmise. Plus la masse ou la vitesse sont grandes, plus la valeur de l'énergie transmise est grande. 7. On appelle énergie transmise, dans ce cas, énergie cinétique. Propose une définition de cette énergie. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un mobile et elle dépend de la masse de ce dernier. Définition, l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un mobile et elle augmente avec sa vitesse, avec sa masse. On exprime cette énergie en un instant donné par la relation. E, c'est l'instant t est égal à 1 demi 1v carré à l'instant t. Elle se compte en joules. Un, deux, l'énergie cinétique d'un solide en chute libre. A, expérience des types de Newton. Donc là, on a le type de Newton. Donc on lâche une boule et des plumes dans l'air, puis dans le vide, à l'intérieur des tubes, bien sûr. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time
to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. Here, go for drop. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. That if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the Earth. So he concluded they weren't. Activité 2. Répertorier les forces appliquées aux objets dans les deux cas. Dans le premier cas, poids et action de l'air. Dans le deuxième cas, uniquement le poids. Question 2. Pourquoi a-t-on des vitesses différentes la première fois? La différence des vitesses sont dues Plutôt, les différences de vitesse sont dues à l'action de l'air. Dans le deuxième cas, on dit que les objets sont en chute libre. Justifie cette dénomination. Elles ne subissent que l'action de leur poids. Question 4. Dans une chute libre, deux objets qui ont pour masse 1 kg et 100 kg, lequel atteindra le sol en premier? Les deux objets parviendront au sol en même temps. Définition. Un objet est en chute libre s'il ne subit que l'action de son poids. Conclusion,
durant une chute libre d'objets ayant des masses différentes, les objets tombent avec la même vitesse dans les mêmes conditions. La masse d'un objet en chute libre n'a aucune influence sur la vitesse de chute. B. Relation entre le travail des poids et l'énergie cinétique lors d'une chute libre. Pour qu'un objet bouge, il a besoin d'énergie. D'après la leçon précédente, on peut communiquer de l'énergie à un objet par application d'une force, travail de force. Un objet en mouvement gagne de l'énergie cinétique. Quelle relation lie le travail de la force et l'énergie cinétique? Expérience. On rappelle que le travail des poids est égal plus ou moins mgh. On aura besoin d'une règle pour mesurer le h. On a EC est égal à 1/2 mv². On utilisera la méthode d'encadrement pour calculer les vitesses en chaque instant. Donc la vitesse en un point I est égale à la distance entre le point yi-1 et le point yi+1 sur le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Pour chaque hauteur, on doit donc mesurer la durée de chute. Comme les durées sont trop courtes, on utilise des photocellules reliées à un chronomètre pour déclencher les chutes. On utilise un électron aimant qui déclenche en même temps le chronomètre. Donc le montage. Pour étudier le mouvement de chute libre d'une bille, on peut utiliser un appareil qu'on appelle appareil d'étude de la chute libre d'une bille. C'est une règle traduit en millimètres, bien sûr, vertical, qui porte un électro-aimant qui va maintenir les billes. Bien sûr, cet électro-aimant il est alimenté par une alimentation. Et pour mesurer la vitesse de la bille à une position donnée, on a besoin d'une cellule. Bien sûr, cette cellule est liée à un chronomètre. Ce chronomètre peut mesurer le temps ou la vitesse. Donc, il peut mesurer le temps ou la vitesse. Donc, voilà. Ce chronomètre, il est là. Donc, ça, c'est le bouton marche arrêt. Ça, c'est le bouton de réglage si on veut mesurer la vitesse de la bille à une position donnée. On doit appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'alerte vitesse s'allume, et si on veut mesurer le temps de chute de la bille d'une rotor donnée, on a besoin d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'alerte décimale s'allume. Donc vous avez ici le départ et l'arrêt du chrono. Donc le départ et l'arrêt du chrono. Donc, puisqu'on n'utilise pas ici la mesure du temps, vous voyez qu'il n'est pas arrêté, il ne s'arrête pas. Vous voyez, il n'affiche pas, il ne s'arrête pas puisqu'on est réglé sur mesure de la vitesse. Vous avez ici remise à zéro pour remettre le chrono à zéro. Ici, on peut utiliser remise à zéro automatique, et on peut
sonde d'état ou la sonde, si on veut mesurer la vitesse. Donc la sonde d'état ou la sonde de mesure de vitesse. Et là, on branche ici. On branche la sonde, mesure la sonde départ, la sonde arrêt. On branche ici la sonde arrêt et de l'autre côté, la sonde départ ou la mesure de la vitesse. Donc, pour mesurer la vitesse, on va bien sûr allumer l'alimentation. Maintenant, l'électroaimant fonctionne, donc il va, la force électromagnétique va maintenir la bille à la position presque zéro ici, c'est presque zéro. Donc, et on, lorsqu'on coupe le courant sur l'électroaimant, on va voir la bille qui va chier. Et voilà, le chrono nous a donné l'appareil de mesure de vitesse. Il nous a donné la vitesse de la bille à la position 50 cm. Résultats expérimentaux, on utilise une bille de masse M égale 45 grammes, ce qui permet l'atténuation des frottements et de la poussée d'Archimède. Donc, on étudie une chute libre. Donc, on prend les conditions pour que l'influence de l'air soit négligeable. Donc, là, on a les mesures de temps, la vitesse. Donc, on va vous demander de compléter le tableau. Donc, question 1, complète le tableau. Donc pour l'énergie cinétique, on a 1 demi mv carré. La différence d'énergie entre deux positions. Et le travail, mgh. Donc mgh, puisqu'on a une chute. Donc le poids a un travail moteur. Question 2, compare le travail des points et la variation de l'énergie cinétique en deux points successifs. Donc, pour faire la comparaison, donc on constate que la variation de l'énergie cinétique et le poids sont à peu près égaux. On prend en considération les incertitudes liées aux mesures. Le travail des points et la variation de l'énergie cinétique sont égaux. Question 3. Rappelle la notion de travail d'une force. Le travail d'une force est un mode de transfert d'énergie. Question 4. Qui fournit l'énergie et qui la reçoit? L'eau d'honneur, c'est la Terre. Via l'application de son, des points, le récepteur, c'est la bille. Question 5. Pratiquement, que signifie la réponse à la deuxième question? Donc, la réponse à la deuxième question, on a dit que le travail des points et la variation de l'énergie cinétique sont égaux. Donc, la réponse, l'énergie fournie par la Terre se convertit totalement en énergie cinétique. Que conclut-on pour une chute libre? Lors d'une chute libre, il y a conservation d'énergie. L'énergie fournie est égale à l'énergie reçue.
Conclusion. Lors de la chute libre d'un solide, toute l'énergie transmise par le poids de l'objet est convertie en énergie cinétique. Donc on a une conservation d'énergie. Donc le travail des poids est égal à la variation de l'énergie cinétique. En remplaçant, dans le cas général, on a plus ou moins MGH pour le poids, et la variation de l'énergie cinétique, on a 1 demi M facteur de V final au carré moins V initial au carré. Donc en simplifiant, on a plus ou moins 2 GH est égal V final au carré moins VI au carré. Problème. Peut-on conclure que l'énergie fournie par les forces se convertit toujours en énergie cinétique? C'est-à-dire, si on applique une force à un objet, on lui transmet de l'énergie qui va le faire mouvoir uniquement. Cas d'un solide en translation rectiligne sur un plan incliné. Translation sans frottement. Donc, on incline un constant d'air d'un angle alpha est égal à 10 degrés et on lance un autoporteur de masse M est égal à 472 grammes. On prend tout. Donc, la période de mesure est égale à 60 millisecondes. Résultats expérimentaux. Donc, on a les positions, le temps. Et vous allez compléter le tout avec la vitesse, l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique et le travail des poids. Ou le travail de la somme des forces appliquées. Activité 4. Fait l'inventaire des forces appliquées à l'autoporteur. Donc l'autoporteur subit l'action de son poids et l'action de la surface R. Dans l'expression des travaux des forces en une position I en fonction de mg alpha et la distance mi moins 1, mi plus 1. Expression des travaux. Le travail de P est égal à mgh. Donc on a un travail en moteur puisque l'autoporteur descend. Donc, la hauteur MGH est égale à MI moins 1, MI plus 1, sinus alpha, soit 0,483 en remplaçant MI moins 1, MI plus 1. Pour le travail de R, on a le travail de Rn plus le travail de T. Et puisque Rn est vertical, on rappelle l'expression de travail. Pour R, c'est le produit scalaire de R avec la distance AB par exemple. Soit R, AB, cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc le cosinus dans ce cas est égal à 90 degrés. Donc le travail de Rn est nul. Rt est nul. Puisque on n'a pas de frottement. R est égal à Rn. Il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de Rt. Complète le tableau. Question 4. Que conclues-tu concernant la conservation de l'énergie dans le cas d'absence de frottement? Donc, revenons au tableau, on a des valeurs à peu près égales. En tenant compte des incertitudes liées aux mesures, on conclut que l'énergie se conserve en cas d'absence de frottement. Conclusion. En absence de frottement, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation entre deux instants successives est égale à la somme des travaux des forces appliquées à ce solide en
ce même instant. Donc là, on a d'autres forces puisqu'on avait le poids et R. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas de frottement. On a le travail des forces extérieures est égal à la variation de l'énergie cinétique. Donc passons maintenant dans le cas où il y a du frottement. Donc on va utiliser le même montage, mais on va diminuer le débit d'air pour qu'il y ait un peu de frottement. Donc les résultats, on a fait les calculs et on a trouvé les valeurs suivantes. Donc là, on a 44,15, c'est pas 441. Donc là, on constate une différence importante entre le travail des poids et la variation de l'énergie cinétique. Le travail des poids est supérieur à la variation de l'énergie cinétique. Donc, fait l'inventaire des forces appliquées à l'autoporteur, donc on a les mêmes forces, P et R. Démontre que l'expression des travail des poids entre deux positions successives est. Donc, on a démontré ça sur l'activité précédente. Démontre que l'expression de l'énergie cinétique est. On a vu ça aussi. Y a-t-il conservation de l'énergie cinétique dans ce cas? Donc, on a vu qu'il n'y a pas de conservation. Propose une justification. Donc, pourquoi y a-t-il une différence? On sait que l'énergie ne se perd pas. Donc, on rappelle l'un des principes de la physique, l'énergie ne se perd pas, ne se crée pas, elle se transforme uniquement. Elle passe d'un état à un autre. On sait que l'énergie ne se perd pas, mais elle se transforme. Donc la différence d'énergie s'est transformée en énergie thermique à cause des frottements. En présence de frottement, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation entre deux instants successifs n'est pas égale au travail des poids entre ces mêmes instants. Le travail des poids est différent de la variation de l'énergie cinétique. La perte d'énergie est due au travail des forces de frottement. Donc on peut écrire le travail de P plus le travail de F est égal à la variation de l'énergie cinétique. Et de là, on a le théorème de l'énergie cinétique. Que dit le théorème? Entre deux instants TP et TA, la somme des travaux des forces appliquées au solide en translation est égale à la variation de l'énergie cinétique de ce solide entre ces mêmes instants. Donc on parle de la somme des forces, c'est-à-dire les forces externes ou internes. Donc la variation des travaux est égale à la variation de l'énergie cinétique. Énergie cinétique d'un solide en rotation, moment d'inertie. Considérons un cylindre de masse M est égal à 100 kg. S'il se trouve dans une position verticale, le déplacer sera difficile. Donc on ne peut pas le pousser parce que la masse est très grande. Mais s'il est dans une position horizontale, on peut le rouler facilement. L'inertie d'un solide en translation est liée à sa masse, mais l'inertie d'un solide en rotation est liée à une grandeur appelée moment d'inertie par rapport à un axe de rotation. Elle a pour symbole G delta et se calcule en kilogrammes mètre carré. Moment
condensé de quelques solides. Donc, pour le disque, le moment d'inertie est la moitié de la masse fois le rayon des disques au carré. Pour le cerceau, c'est le produit de la masse et le carré des rayons. Pour le cylindre, c'est la moitié de la masse multipliée par le carré des rayons. Pour une tige tournant autour d'un axe passant par son milieu, c'est le 1 deuxième de la masse multiplié par R au carré. Pour la tige, lorsque l'axe de rotation se trouve sur l'extrémité, on a le 1 tiers de la masse multiplié par le R carré. Pour une sphère, c'est le 2 cinquièmes de la masse multiplié par R au carré. Donc en général, on vous donne les expressions des moments d'inertie, vous n'avez pas à les apprendre. Théorème de l'énergie cinétique, on démontre que l'expression de l'énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe de rotation fixe est EC égale 1 demi G delta oméga au carré. Donc le oméga, c'est la vitesse de rotation. Et par conséquent, le théorème de l'énergie cinétique est exprimé par travail des forces de l'ensemble des forces est égal à 1 demi G delta oméga P au carré moins oméga A au carré. Note. On utilise le théorème de l'énergie cinétique dans le cas où on connaît la valeur de la vitesse en deux positions ou en une seule position et la question porte sur la vitesse en une deuxième position. Donc si on a les deux vitesses ou une vitesse et on cherche une autre vitesse, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème d'énergie cinétique, c'est une méthode de résolution de problèmes. Donc dans le cas où la question porte sur la vitesse, où on connaît deux vitesses, on peut appliquer ce théorème pour résoudre un problème. Pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, on suit les étapes suivantes. On commence par déterminer le système à étudier. On fait l'inventaire des forces appliquées. On indique le repère dans lequel on travaille, on fait l'étude. On détermine la position initiale et la position finale. Et on détermine la nature des mouvements. Est-ce une translation ou une rotation? Et on applique le théorème entre les deux positions choisies. Donc, fin de cours, les exercices seront sur une autre vidéo. Inch'Allah.